Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cristal. Aujourd'hui, oh l'action. Ça fait. Attendez. 9 et 10. Je suis allée deux fois à action. J'y retournerai peut-être demain encore parce que Meta avait une petite bricole que je vais vous raconter aussi. J'espère que vous allez tous bien pour ça que nous sommes sur ma chaîne de Cristal. Donc là, je viens juste de rentrer d'action. Donc je vous montre tout ce que j'ai pris entre le 9 et le 10. Donc, entre hier, lundi et aujourd'hui, mardi. Voilà. Donc, je vous montre, j'avais pris, donc dans le rayon créatif, des paquets d'autocollants comme ça, parce que j'en ai vachement besoin. Pour mettre sur des carnets en décoration, pour remettre dans les albums photos des enfants, parce qu'en fait, j'achète pas mal de trucs autocollants. Et, bah, en fait, donc j'ai pris deux pareils. Enfin, si vous voyez bien, en fait, voilà. Donc j'ai pris deux de chaque. J'ai pris deux comme ça. Vous voyez? Et de même, voilà. Pour moins d'un euro, il me semble. Ça, il me semble que j'avais déjà pris un autre une fois précédente. Donc j'ai pas. Donc j'ai pris qu'un seul. Ah, ça me. Pardon, ça me revient à deux. Voilà. Ensuite, j'ai pris dans le rayon créatif. Aujourd'hui, j'ai pris le 10. J'ai pris ça. Des petites fleurs comme ça, j'en veux d'autres couleurs, mais bon, dans nos actions, hein, c'est pas tip top. Hier, le 9, je vous ai pris encore un autre cahier de coloriage pour adultes. Vous voyez, c'est bien marqué adulte. Voilà. Après, derrière, c'est comme ça. Vous allez voir tous les motifs, tous les dessins. Là, il y a un attrape-rêpe là qui est magnifique là. Donc dès que j'aurai acheté mon imprimante, bah, je pourrai faire des photocopies et après colorier. Voilà, déjà ça. Ensuite, j'ai pris un paquet comme ça de feutrine parce que j'ai envie de faire des. Ah, comment ça s'appelle? Des couvertures d'albums de livres. Voilà. J'avais même pas trouvé les mots. Donc je vais mesurer, je vais couper ça au cutter et basta. Voilà. Ensuite. J'ai pris tournage créatif, j'ai pris des comme ça. Grand paquet d'autocollants, mais j'ai pas trouvé énormément. Entre hier, j'ai trouvé trois paquets, mais un paquet de chaque. J'aurais bien aimé avoir deux ou trois paquets la même. Voilà, pour faire toujours les albums et les livres, et puis mon bullet journal, et puis tout ce qui s'ensuit. Je vais vous montrer ça un par un. Vous voyez, il y a deux. Il y a deux côtés. Donc il y a ce côté-là, avec ces modèles-là. Voilà. Alors, hier, pour vous raconter une autre petite histoire, en même temps que je vous montre les trucs, j'avais acheté des toutes petites boîtes en plastique. Et en arrivant chez moi, je me suis rendu compte que, déjà, le prix, c'était pas bon. Et ils ont compté à 35 centimes, alors que ça coûte 33 centimes. Et en plus, ces boîtes, elles étaient à moitié pétées. Donc, j'ai été les ramener, ça, qui étaient pétées. Et malheureusement, la dame, elle m'a dit, pour que je vous rembourse, il faut que vous me ramenez le tout, et patati patata. Bon, bref, c'est encore une autre histoire, ça, après. Donc voilà. Ensuite, vous avez des comme ça, modèles comme ça, vous voyez. Moi, j'aimais bien l'autre parce que c'était marqué Love. Ah, c'est pour mettre sur mes albums. Hein. Après, c'est pas pour mettre dans les trucs de photos des enfants, enfin, je pense. Hein. Enfin, après, oui, parce qu'il y en a certains. Avec, quand vous faites un thème anniversaire, bah, vous pouvez mettre des autocollants tout autour de la photo sur le thème anniversaire. Des cadeaux, des paquets cadeaux, des gâteaux, des tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite. Dans le rayon, je sais pas si j'ai trouvé un carton, il y avait des stylos comme ça. Ils ont posé ça dans le rayon, ils les mettent dans le bon rayon. Non, eux, ils sont pas cassés la tête, ils ont laissé les cartons dans le rayon créatif. Donc j'ai pris un noir. J'ai pris un comme ça. Parce que j'ai pas trouvé celui-là que je voulais à la base des bases. Quand on n'a pas besoin de stylos, il y en a. Quand on a besoin de stylos, il n'y en a pas. Et j'ai oublié de regarder des trousses, j'ai oublié de regarder pas mal de trucs. Aussi, mais comme j'y retourne demain, bah, je pourrais regarder encore. Voilà. Et moi, pourquoi je suis allée à la base des bases à Action, c'était pour des grandes boîtes en plastique qu'il n'a pas. Parce que c'est pas du tout ce que je veux. Donc voilà. Je vais pas me fatiguer la tête. Hein. Si vous saviez, je vais pas me fatiguer la tête. Hein. Dès que je l'ai trouvé, en fait, c'est en profondeur. C'est pas assez profond. Et c'est pas assez grand. Donc moi, je peux pas. Voilà. C'est juste pour mettre des. En fait, mon placard, je vais le casser, je vais le vider. Je vais jeter mon placard parce qu'il est cassé. Parce que mon ex, il l'a monté, il l'a cassé. Moi, j'étais pas là. Bref, j'étais. Voilà. Donc, bah.
Je vais tout enlever, je vais tout refaire mon salon. Et puis, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, dans le rayon des enfants, j'ai trouvé deux comme ça. Dans le rayon créatif des enfants, donc j'ai trouvé ça. Donc, j'ai trouvé apprendre avec des... Donc, en fait, vous fabriquez des dés. Il y a des lettres. Et avec ces lettres-là, vous faites un mot. Pour les enfants, c'est très bien ça. Donc, ça, c'est à partir de 5 ans, celui-là. Voyez, je vous montre là. Hop, à partir de 5 ans. Ensuite, vous avez, pour apprendre à compter, à partir de 7 ans. Voyez, là-haut, c'est marqué plus 7. Voilà. Mais je pense que mon fils, il sera capable de le faire. Mon fils, Belkacem, lui, il est très, 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 très intelligent. Il est en dernière année de maternelle. Il va avoir 6 ans au mois de juin. Je vous jure, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Mais j'ai dit, hein. D'ici, il va être comme son frère Wassim le Grand. Bah, on est bien. On est bien, je suis contente. Moi. Mais c'est pas des fleurs, mais quand même. Hein. Ah oui, parce que là, c'est marqué lecture et là, c'est marqué nombre. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à la dernière petite chose que j'ai pris. Comme ça, je vous raconte mes histoires. Donc, j'ai pris des sachets comme ça dans le rayon nourriture. Mais bon, ça fait un peu genre pack, genre truc comme ça, voilà. Donc, j'ai pris encore deux comme ça et deux autres comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pour offrir à des enfants, voilà. Et j'ai même pris pour mes enfants aussi, parce que j'avais pris tout ça pour mes enfants aussi, voilà. Pour offrir à mes enfants, pour Pâques, j'ai pris... À chaque fois que je vais à Action, je prends toujours un petit bricole par-ci par-là pour Pâques. Parce que je vais mes enfants, ils ont tout pour Pâques. Voilà, les petits, les trois petits. Parce que, ouais, c'est le grand... Pâques ou papa qui s'en fiche. Donc, j'ai pris en tout 3 et 3. Voilà. Et ça, ceux-là que j'ai pris là, qui sont dans ma main. Les autres, je les ai rangés. Parce que c'était pour les petits. J'ai gardé que ceux-là. Ça, c'est pour faire une vidéo de dégustation avec mon fils Wassim, le grand. Donc, pour l'instant, j'ai que ça pour faire la dégustation. Mais après, par la suite, s'il trouve des nouveautés chez Action, des machins, on va, hop, je prends, on va goûter. Moi et Wassim. Ça, je fais une vidéo de dégustation. Et ça, je pense que ça doit être encore des trucs d'Américains encore. Encore. Donc voilà. Ben, sur ce, ma vidéo est terminée. Voilà, donc je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Cristal.